Ça fait mal. Ça va être correct, là. T'as dormi comme un bébé. J'arrive pas à me réveiller. T'es pas à Trois-Rivières. Comment te sens-tu? Mal. Ça tire dans le genou. Ils vont pas rire. Je pourrais plus patiner, je le sais. Je veux pas que ça m'arrive. Je veux pas. Personne n'a dit que tu pourrais plus patiner. Oh. Puis même si ça arrivait, ce serait pas la fin du monde. Oh. C'est vrai que Marc Gagnon a voulu te blesser? Qu'est-ce que tu dis, toi? Je parle juste de ça à la radio. J'aurais dû garder la tête haute. Il parle au docteur Bergeron, il dit qu'il y a trop de sang dans le genou, il peut pas se prononcer. Ouais. L'histoire de genou, c'est toujours long. Maudite bad luck. À cause de lui puis Gagnon, on s'en a gagné contre Boston hier soir. Charles? Bad luck? Ça fait combien de temps que t'es dans le game? Longtemps. Pourquoi? Ben moi, ça fait 30 ans. Puis je sais reconnaître une passe suicide que tu fais d'un patin d'un gars pour t'en débarrasser. Ah, je te crois pas. Voyons donc. Les deux, t'as trop bien parti ensemble hier soir. Voyons donc. Comme tu veux, Jacques. Montes-tu Mercure de Chicoutimi? Moi, je suis pas trop fort depuis 15 jours, mais ça a l'air qu'avant ça, il était hot. Charlie me dit qu'il y a des problèmes, mais dis-toi le couchette. Salut, père. Tu sais, on a encore gagné contre les Castors de Verdun. Si on gagne aujourd'hui, on va être les premiers de la division. Mm-hmm. Attendre aux journalistes et aux partisans du National. Ça fait un mois que nous sentons que ça va mal entre Marc Gagnon et Pierre Lambert. Les rumeurs veulent même que les deux joueurs se soient battus après un match à Toronto. Si tel était le cas, qu'y aurait-il d'invraisemblable dans le fait que Marc Gagnon aurait volontairement fait une pause suicide hier à Pierre Lambert? Qu'est-ce qui nous empêche de penser que peut-être Marc Gagnon a choisi ce moyen pour se débarrasser d'un coéquipier encombrant? C'est quoi ça, cette histoire-là, en gros? La bullshit de journaliste. Martine, appelle-moi Sigouin. Tu es rendu aussi bas, éliminer un joueur de ton équipe. Ben voyons donc. À part de ça, il y avait juste à garder la tête haute. C'est le premier conseil que j'ai donné en arrivant. J'ai rendez-vous avec Maître Paul Leduc à 10h30 ce matin. J'entame les procédures de divorce. Tu penses aux enfants? C'est toi qui parles des enfants. Ils lisent les journaux, les enfants, ils regardent la télévision. Puis surtout, ils écoutent la radio. Je passe mon temps à essayer de les rassurer. Tu t'es pas rendu compte que ta fille fait de la fièvre sans arrêt depuis deux jours, qu'elle refuse d'aller à l'école? Tu sais-tu pourquoi? Comment veux-tu que je le sache? Je suis jamais là. Mais justement! C'est bien l'officialiser. Je te reconnais plus, Linda Hébert. C'est pas la deuxième fois cette semaine qu'on me dit ça. La pression est trop forte. Je suis capable? Toi, t'es infaillible, peut-être? Non. Et nos lecteurs le sont. Ils sentent, ouais, la nouvelle. Cette fois-ci, c'est André Simon qui l'a. Ils vont te suivre. Nous autres, on passe pour des juniors. Je veux que tu fouilles ça et que tu me décroches une grosse histoire. Linda. Tu vas l'avoir. Je pourrais signer le contrat de Gagnon. Ah oui? À quelles conditions? Aucune. Aucune? J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu me caches? Rien. J'ai eu une bonne conversation avec Marc la semaine passée. Entre quatre yeux. J'ai confiance en sa parole. Puis, c'est une belle petite commission pour toi. Oh, tu sais, avec les dépenses que j'ai. Arrête, arrête. Tu vas me faire broyer. Rien comme petite affaire qui me chicote avant la signature du contrat, là. C'est la petite Lambert. Règle-moi donc ça, Luc.
Moi, les histoires de cœur de Marc, j'y touche pas. C'est bien de l'argent, là. Mais c'est Marc Gagnon? Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh, c'est une longue histoire. C'est un ami de Suzy. On peut toucher? Ah, pas de problème. Geneviève joue dans une équipe de hockey. Elle est aussi monitrice dans un club de reconditionnement physique. Tu devrais aller t'entraîner? Ouais. On peut commencer tout de suite si tu veux. Ah, ben. Geneviève, c'est ton frère au téléphone. Pas encore. Tu restes avec nous l'après-midi? Ah, ben, c'est pas l'envie qui manque, hein? Was willst du jetzt? Wie viel mal muss ich dir sagen, du kannst mich nicht hier anrufen? Ja, ich kann aber nicht jetzt. Ach ja, vielleicht. Wie, Marc? Ich hab dir schon gesagt, ich kann jetzt nicht kommen. Verstehst du? Qu'est-ce que tu veux t'en dire, non? Tu écoutes la radio? C'est pas mal écœurant, tu trouves pas? J'espère que tu crois pas ça. Moi, non. Mais il y a pas mal de monde. Ça prend une bande de caves, en tout cas, pour croire ça. Marc, si je te connaissais pas, moi aussi, je penserais comme eux autres. Les sacrements de journalistes. Surtout toi qui te manques pas. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est simple. Ah oui? Va le voir à l'hôpital. Ça va leur fermer la trappe. Ben oui, mais on part pour 4 jours à la fin de la journée. Vas-y, en début d'après-midi. Moi, je sais pas comment est-ce qu'il va prendre ça, moi. Marc, tu m'aimes? Ben oui, mais... Alors fais-le pour moi. Promis. Ah, OK. 2 heures. 2 heures. Je vais être franc avec toi. Si c'est le ligament antérieur croisé qui est déchiré, ça veut dire l'opération. Et je ne peux pas garantir les résultats. Si c'est la rotule, dans un mois, t'es de retour sur la glace. Vous pouvez pas me dire aujourd'hui? Il faut attendre 3 ou 4 jours avant de faire l'arthroscopie. On va aller voir dans ton genou. Et alors, on saura la nature exacte de ta blessure. En attendant, ça ne donne rien de t'énerver. On peut rien faire. Marie-France? Dors-tu? Le beau cadeau que je t'ai acheté. J'en veux pas. Ça va aller mieux, là. Je vais m'occuper de toi. J'ai besoin de rien. As-tu mangé? Peux-tu toujours préparer quelque chose? J'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-France? Hein? Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait mal à l'école? Non. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes amis, quand ils te parlent de moi? Rien. Non, tu peux me le dire. Qu'est-ce qu'ils te disent? Rien. Marie-France, il faut pas que tu croies à tout ce que le monde dit. Hmm? Je t'aime, tu sais.
voir, Charlie? Ouais. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Écoute, je sais que j'ai pas joué comme je devrais depuis une quinzaine de jours. Mais ça va aller mieux. Je te garantis. C'est tout vain de te remettre à jouer, parce que le National vient d'appeler. Lambert est blessé, tu dois le savoir. Ils veulent t'avoir à Québec après-midi. Moi? Le National? Wow! Je manquerai pas mon coup, là. C'est quoi les nouvelles pour Pierre? Pas bonne, j'ai l'impression. Le genou est pas mal amoché. J'en sais pas plus. Donc ça, c'est vrai, là? Faut que je parte pour Québec? Veux-tu que je te montre le chemin sur la carte? Si tu continues comme ça, c'est plus qu'un mois que tu as passé ici. Il dit qu'on parle de toi à Québec. André Simon raconte n'importe quoi à la radio. Bon, si tu fais pas le fou, là, tu vas pouvoir marcher avec des béquilles en attendant l'arthroscopie. Ah, c'est Pierre Lambert dont je vous ai parlé. Docteur Lucie Baptiste, résidente en orthopédie. C'est elle qui va être de garde le soir. Bonjour, Lucie. Docteur Baptiste. Bonjour. Je ne pense pas que le docteur Bergeron serait fâché si tu m'appelais Lucie. Bien sûr que non. J'aimerais bien être assez jeune pour vous appeler Lucie, moi aussi, cher docteur. J'ai finalement obtenu de Guilbeault qu'il signe ton contrat comme tu le souhaitais. Et quoi, la trappe? Je n'ai pas. Mais pourquoi tu voulais me voir là-bas? Parce qu'on veut seulement être sûr que tu vas avoir toute ta tête au hockey. Hey, là, tu commences à me taper ses nerfs, sérieusement. Commence donc par faire ma gueule, André Simon. Poursuis-les, tu vas être pas mal plus utile. On peut pas faire ça, tu le sais. Suzy, c'est fini. Tu m'entends? Tu rentres au bercail, Marc. Hey, coudonc, de quel bord que t'es, toi? C'est avec moi, ben non, c'est avec Lambert. Hey, là, je t'avertis, hein. Décide-toi. C'est ta dernière chance. Sinon, c'est pas Harrison qui va avoir ta commission. Toi, tu te contenteras des miettes du petit Lambert. Faites, je retire pas un mot de ce que j'ai dit l'autre jour. Voici, c'est allé trop loin. Avec Marc, c'est toujours trop loin. Je veux savoir qui c'est. Je sais que t'es au courant, puis t'es la seule qui va avoir le cran de le dire. Ça te donnerait quoi? Je veux savoir, c'est tout. Tu l'as sous les yeux presque tous les jours. Qui? Suzy Lambert. La sœur de Pierre Lambert. Mais c'est pas de sa faute. Marc l'a embobiné, puis depuis, elle voit plus clair. T'aimes ça, les primaires? J'ai entamé les procédures de divorce ce matin. Nicole, ton Marc, là, il y en a encore pour 2 ans à jouer. C'est peut-être même sa dernière année. Je le sais pas. Je le sais pas plus qu'un matin ce qui va m'arriver. Pourquoi tu me poses toujours la même question? T'es bien bête, donc. Je t'ai rien fait, moi. On dirait que tu veux pas comprendre que si je suis pas là pour me battre, moi, je perds ma place. Il y a pas de syndicat, il y a juste moi. Ça, mes genoux, c'est bien dire que je suis infirme. Oh, puis viens pas broyer ici, hein. J'ai assez de troubles demain. Écoute, Pierre, c'est tout de même pas la faute de Ginette si tu es blessée. Toi-même, mets-toi pas de ça. Je suis un joueur de hockey, moi. J'ai pas envie de me retrouver gérant d'une de tes boutiques. Il n'y a pas que le hockey dans la vie, tu sais. Ça, c'est vrai. Fichez-moi la paix! Salut, bien. Monsieur Guilbeault? Ma mère, Maroussia. Bonjour, Monsieur Guilbeault. Mon amie Ginette. Bonjour. Monsieur Guilbeault, le patron du National. Tu es content? Le grand patron qui vient voir ses employés. Ah non, madame. Pierre n'est pas un employé. C'est un placement.
Comment ça va? Pour être franc, pas très bien. Veux-tu pas paniquer? Le médecin t'a pas confirmé que t'avais des ligaments déchirés. Fait que le pas charru avant un bain. Ils m'ont pas dit qu'il était pas déchiré non plus. Un accident, c'est un accident. C'est ce que je lui dis sans arrêt. On ne recommence pas. Non, ta maman a raison, Pierre. Je veux pas que tu t'inquiètes. Ta job est là, puis ton salaire aussi. Puis si ça prend un mois pour le guérir, on va attendre un mois. Un an, on attendra un an. Ferme pas sa glace tant que tu seras pas 100%. Tu vois qu'il faut que je t'aime pour en tirer ton caractère. Je vous le dis, M. Guilbeault, il est pas parlable depuis ce matin. Ah bon? On t'a trouvé un bon remplaçant. Qui ça? Mercure. Oh, ça c'est bien. Enfin, Denis aura sa chance. Vous pourriez pas vous arranger pour les garder tous les deux? Écoutez, Mercure, Lambert, Gagnon sur le même trio, ça vous mènerait à la Coupe Stanley. Évidemment, il faudrait changer Bennett. Le petit Mathieu est bien meilleur. Et puis alors, avec Martin et Lavoie à la défense... Ben oui. Avez-vous dîné? Non. Mais peut-être qu'on pourrait aller rebâtir l'équipe autour d'un bon pas. Ça te fait rien, Pierre, si j'invite ta maman pour dîner? C'est une excellente idée. Bon. Comme ça, on devrait échanger, ben. Vous en avez d'autres comme ça à échanger? À condition que vous gardiez mon fils, vas-tu? Ça va pas payer. Suzy est pas là? Non, elle est sortie prendre l'air. Tu sais, Denis, pour être franche, elle t'attendait pas. Oui, je le sais. Je veux pas l'achaler. Je veux juste qu'on reste chum. T'es sûr que t'espères pas plus? Marie-Lou, t'es sa meilleure amie. Vous êtes tout le temps ensemble. Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, Denis, c'est pas à moi à t'en parler. Si elle le veut, elle le fera. Essaie de pas trop avoir mal. Salut, Pierre. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, je viens prendre de tes nouvelles. T'as rien qu'à écouter à la radio. Bon, on part pour New York à 5 heures, ça fait que... Pierre, non. Marc a pris le temps de venir te voir. Tu pourrais faire un effort. Non! Ah non, bouge pas, je m'en vais, là. Non. Attends deux minutes. Parlez-vous un peu! On en finisse avec ces histoires-là une fois pour toutes. Oh, quelle belle surprise! Vas-y, va. Rapproche-toi de Pierre un peu. Encore? Qu'est-ce que vous pensez des déclarations d'André Simon? Ben, tu le vois bien, on est ensemble, là. Marc, il y a une rumeur qui court en ce moment que tu voudrais te divorcer. On n'en est pas à une rumeur près. Tu devrais le savoir. Me donner un poignet de main avant de partir. Parfait. Avec le sourire. Parfait. Je vais te geler le genou un peu. Ça fait mal. C'est normal que ça soit sensible. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave. C'est quoi, ça? Il faut ponctionner le sang si on veut savoir à quoi s'en tenir. Après l'arthroscopie, tu devrais avoir un beau genou neuf pour le mois prochain. À moins que vous m'annonciez que mon genou est fini. C'est toujours possible. Bouge pas. Oh! Ça sera pas long. Oh. Madame Manouchka. Madame Lambert, c'est-tu vous? Non, c'est la belle dame, là. C'est pour moi? Merci. Vous avez un amoureux? Il y en a combien de roses? Il est fou.
Elles sont belles, hein? C'est qui votre amoureux secret, Madame Lambert? Je ne dirai personne. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est 5-1 pour le National. Et on comprend mal Jacques Mercier. Avec seulement 12 minutes à jouer, le match est gagné. Alors pourquoi ne pas donner sa chance au jeune Denis Mercure qui est resté sur le banc depuis le début de la rencontre? Le jeu a repris. Vas-y, sacrament, patine! Il s'élance et tu le sortis. Qu'est-ce que c'est que ces gros mots? C'est quoi le score? 5-1 pour nous autres. T'es en train de leur redonner une maudite. Qu'est-ce que tu peux connaître dans le hockey, toi? Mon Dieu, s'il fallait que la fille de Joseph Baptiste ne soit pas une fervente partisane du tricolore, je me demande comment j'aurais pu survivre dans la famille. Le tricolore? Ben oui. Ma famille vit à Montréal. J'ai fini mes études à Québec, mais je suis montréalaise. Tu vois pas que ton père est chauffeur de taxi? Heureusement, j'ai une voiture, moi. Oui, ben justement, il est chauffeur de taxi. Il travaille 60 heures par semaine pour élever mes jeunes frères et sœurs qui sont restés à la maison. Lucie, prends pas ça de main, je faisais des blagues. Oui, mais c'est pas drôle du tout quand des garçons intelligents comme toi. Et puis lâchez tout d'un coup tes blagues racistes. Oui, j'ai un cousin qui est un assisté social, un autre qui a étranglé sa femme, un troisième qui a le sida, comme la moitié d'Haïtiens d'ailleurs. Quant à moi, je meurs d'envie de me faire sauter par un blanc. Est-ce que j'en ai oublié? Lucie, Lucie! D'habitude, je ne m'emporte pas comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aurais aimé que tu sois moins con que les autres. Enfin, bonne nuit. Pierre! Pierre! Chut, Jimmy, quiet! Mais c'est Pierre Lambert, je veux lui parler! Pierre! Je peux t'aller voir deux minutes? Peut-être assez clair d'avoir son idole. Tu travailles fort? Je suis déjà capable de me tenir debout. Bientôt, je vais marcher. Je l'ai promis à mon père, Sylvain et maman. Oui, c'est vrai. Elle va se remettre de son accident. But I think he's gonna make it. C'est bien ça. Il faut pas lâcher. Je suis fier de toi. Ça, c'est ce qu'il me dit tout le temps, mon père. Ton père, il a raison. Il dit aussi que tu as une tête de cochon. Jimmy! Mais tu as du talent. Fais quoi, ton père? Mon père? C'est Jacques Mercier, le coach du National. Ben... Ben, j'en viens pas, là, mon propre coach. Ben, excusez-moi, il faut que je retourne à mon département. Oui, je te suis. Bonjour, Madame Mercier. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, Pierre. Salut, Jimmy. Ça me fait plaisir de te connaître. I'll never wash this hand again. Oh, Pierre! J'ai fait un beau dessin de toi avec Marc Gagnon. Tu veux que je te le montre? Je reviens demain. Oui, 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 oui. Je veux voir, moi, ce chef-d'œuvre-là. Penses-tu qu'on va gagner ce soir? Contre Philadelphie, ça va être dur. La rondelle est lancée dans la zone des Flyers et poussée plus loin. Ashton s'en empare, la remet sur sa droite. Oh, la belle passe devant le filet, c'est le but! Ça, c'est un beau but, hein? Ça, c'est un beau but. Ben, attends de l'avoir joué au hockey. Elle? J'aime bien mieux le football. Tous les mecs veulent jouer avec elle. C'est pourquoi elle a entrepris de développer mon corps, et moi, je m'occupe de son esprit. Le jeu a repris. La rondelle est dans la zone du National. Une solide mise en échec le long de la rampe, alors que les Flyers continuent de presser le jeu. Denis Mercure attend toujours l'occasion de faire ses premiers pas dans la Ligue nationale. On vient de le voir sur le banc. L'entraîneur, oui, il lui donne le signal. Vas-y, Denis! Mercure saute dans la mêlée. Je t'aurais pas les encouragés de même. Si tu continues à gagner, ça ne rendra même pas compte que je suis plus là. Bon, on a besoin de toi pour se rendre jusqu'à la coupe. C'est Mercure qui a la rondelle derrière le but de Mathieu. Mercure contrôle le disque et se porte à l'attaque. Oh, il est arrêté par Don Johnson qui file dans le territoire du National. Mercure se lance à sa poursuite. Oh, Jean-François! Quelle charge violente au bâton de Mercure contre Johnson et le sang a giclé. Les joueurs des Flyers sont furieux et veulent s'en prendre à la recrue du National. L'arbitre et les juges de ligne interviennent. Et j'ai l'impression, Jean-François, que le jeune Mercure écopera d'une punition majeure. Eh bien, c'est pas grave. C'est comme ça qu'il va se faire respecter, surtout contre Philadelphie. Voilà, tu connais pas Jacques Mercier, toi. Je vous dérange? Pas du tout. Viens t'asseoir, Ginette. Ils sont en train de gagner! Mécontent. Nous verrons donc Champagne et Marc Gagnon à l'avant
avec Claude Lucien bon, hein? Et aller à la défense. Le jeu reprend. Les Flyers exercent une pression constante dans le coin. Lucien perd la rondelle qui revient à Tepet et c'est le but. Un tir frappé Gagnant. Marqué par Imasco qui a fait dévier le tir de la pointe. J'étais allé pour me trouver une job. Quoi? De la manière que c'est parti là, si tu joues pas tes 40 matchs avec le National, on pourra plus faire les paiements. T'es encourageant, toi. Ginette, sois positive. Toi, je t'ai pas parlé, OK? Ginou! Ginou! Lots of guys have bounced back from knee injuries. You'll come back stronger than ever. Je sais pas ce que je donnerais pour être à Philadelphie à soir. Coup de bombe, tu vas pas commencer à m'écœurer avec ça toi aussi. Mercier, Guilbeault, ma femme, Sigouin. Lâchez-moi! Ah, comprends-moi, Marc. Dans mon livre à moi, t'es encore un des meilleurs. Mais la game a changé. Pour toi comme pour moi. Mais laisse-moi dire une chose, par exemple. Si on joue en équipe cette année, mets-en qu'on l'a le club pour aller à la coupe. Oh, la coupe, Bob. C'est ça que ça nous prend. Hein? Une dernière fois, au bout de nos bras. Hey, Bob, vois-tu ça? Le Colisée impacté, le monde qui vire fou, hein? Ça crie, ça chante, la 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 la! Hey, 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 goodbye! Là, Bob, on fait le tour de la patinoire avec la coupe, là. C'est toi qui la tiens, OK? Nous autres, on se fait en arrière, Bob. Hein? Hein? Attends-tu le monde, là, Bob, là? Oh. Hey, laisse-moi toucher, c'est peut-être ma dernière, là! Na 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 na! Hey, 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 goodbye! Il y a quelqu'un qui a cogné. Hein? Hey, j'espère que tu m'as pas fait ce coup-là, toi, parce que je t'ai averti, moi, je sors pas d'ici. Ben ouais, mon Bob. Tu sais, mec, je te ferai jamais ça à toi. Coucou! Suzy? Mais qu'est-ce. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je suis venue te voir. À Philadelphie? T'es pas content. C'est pas une belle surprise, ça, là? Ah, ça, ouais. Elle est assez surprise. Bob. Bonsoir. Oh non, non, non. Dérangez-vous pas. J'ai réservé ma chambre. Tu viens-tu? Oh, Suzy! Ben quoi? T'embrasses-moi, moi? Ah, Bob, inquiète-toi pas, hein. La coupe, là, on va la chercher. Hein? Oui, ma. Oui, oui. Mais comment est-ce que t'es venu? En train. Écoute, Bob, ça fait 20 fois que je te le dis, je le savais pas. Je le savais pas qu'elle viendrait. Elle est complètement folle. Marc, arrête de nous bullshiter, tout le monde. Je te l'ai dit hier ce que j'en pensais. Gary est vraiment prêt dans son assiette. Il ne parle plus à personne depuis que tu l'as remplacé contre Boston. Je parlais à Gilles au téléphone hier soir. Il y a des grosses chances que Bennett passe à Los Angeles. Hein? Quand? Je sais pas. Ouais, j'espère que ça va lui faire du bien parce que. Ouais, moi, j'ai perdu confiance. Hey, Marc, j'ai-tu rêvé ou bien sa petite lambage, j'ai vu dans l'hôtel un matin? Even if it was, what's it to you, man? Faut être mordu, qu'est-ce que tu y fais? De qui tu parles? La petite Lambert, la sœur de Pierre, elle est venue de Québec passer la nuit avec Marco. Elle est venue de Québec. Tu l'y prends? Suzy Lambert a laissé tomber Denis Mercure pour Marc Gagnon. L'avais promis. Wow! C'est bien nous autres. Je peux te garder? Of course!
in Philadelphia. That's as good as a win. Mais si j'avais été là. Bonjour, Pierre. Bonjour, Madame Mercier. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse pour hier soir. J'espère que t'es pas fâchée. Moi, fâchée? J'ai passé la nuit à rire, ça m'empêchait de dormir. Pas le même sens d'humour. Moi, ça m'a trotté dans la tête toute la nuit. Je me suis trouvé pas mal imbécile. Bon. Oublie ça, tu veux? Quelles sont les nouvelles? J'ai pas encore eu le temps d'aller consulter les dossiers au département. L'arthroscopie, c'est pour après-demain. Ton genou te fait toujours mal? Oh oui. En fait, ça ne veut rien dire. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir si les ligaments sont touchés. Non. Alors après-demain? J'oubliais. Je te comprends, Pia, tu sais. S'il fallait qu'on me dise que je ne pourrais plus être docteur, je ne sais pas ce que je ferais. J'ai tellement lutté. Monsieur Guilbeault, Madame Maroussia Lambert, première ligne. Je vais la prendre. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier pour les jolies roses. Oh, c'est rien, c'est de bon cœur. Mais je vous appelais aussi pour vous demander des nouvelles de Pierre. Il n'est pas dans sa chambre ce matin. J'ai parlé au docteur Gravel. Disons qu'il va subir son examen d'arthroscopie après-demain. Puis, vous pouvez compter sur moi. Vous serez la première informée. Merci, Gilles. Votre présence à Québec me rassure. Maroussia? Oui? Écoutez, je pensais fortement à notre conversation de l'autre soir, puis je me demandais si on ne pourrait pas continuer ça en mangeant ensemble. Québec puis Trois-Rivières, c'est pas tellement loin. Quel dommage que ce soit pas dans la même direction. Je dois me rendre à Montréal demain pour rencontrer des fournisseurs. Ah, oh, ben ça tombe bien. Justement, je dois y aller aussi. Écoutez, je connais justement un restaurant que vous allez adorer. Alors, c'est d'accord. À demain. C'est ça. Tu m'as dit que tu voulais passer. J'ai pris mon trou. Ça faisait mal, mais je me suis effacé. Je l'ai apprécié. Pourquoi tu reviens comme ça? Parce que tu passes pour une folle. Je suis au courant. Au courant de quoi? Toi puis Marc Gagnon. Il y a 35 ans, puis... 34. Il y a 34, d'abord. Votre histoire, toute l'équipe la sait. Tu passes pour une belle dinde, Suzy. Ouvre-toi les yeux. Laisse-moi tomber, mais pas pour... Je l'aime. Puis lui aussi, même. Comme personne m'a jamais aimé. Personne. Pas peur de ça, je te dois rien. C'est ma vie. Tu penses que c'est de ça que j'ai besoin? Des reproches? C'est ça qui va m'aider à reprendre ma place dans l'équipe? Ils ont pas perdu une seule partie depuis que je suis plus là. Tu vas me mettre ça sur le dos aussi, j'imagine? Il n'y a pas un des joueurs qui m'a téléphoné. Pas un qui est venu me voir. Il était en voyage. Ils sont venus! Je me suis trouvé une job. Je commence demain comme serveuse dans un restaurant. T'es sûre que ça, que mon opération va mal tourner? C'est pas ça que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Je ne sais plus, moi, là. Hé, hey, écoute, je fais pas ton affaire, dis-le, hein? Ah, c'est là que... C'est charmant. Oui, c'est... intime.
темной ночью, белой вьюгой, снежной пылью обнесен. Сани сяду я с подругой. Ну, борщ с пирожком и потом котлеты по-жарски, пожалуйста. Et pour monsieur, la même chose. Et la vodka. La vodka, bien sûr. C'est très beau, mais je vous préviens, je n'ai aucune emprise sur Pierre. Pierre a absolument rien à voir avec ça. Ah bon? C'est pas tous les jours qu'on rencontre une Maroussia. C'est un entrée commun, vous savez. En Russie, c'est Marie. C'est pas banal, c'est différent. C'est différent des autres. Tu bouges pas comme les autres. Puis quand tu parles, c'est de la musique. T'es raffiné. Je vais te faire une confidence. Je vais te dire une chose que même Pierre ne sait pas. Son arrière-grand-père, mon grand-père à moi, était d'une grande famille. Des princes, je crois. Mais il avait tout perdu. Vraie princesse. Comme dans les contes de fées. Endetté jusqu'au cou, mes princesses. Ah, Fabio, ti ti supplico, fuidis. Fabio, qu'est-ce que c'est? Rien. Il va vous dire une chose, votre Petrov à côté de notre petit Malgognon, là, c'est un enfant d'école. Va voir ça. Si son garçon n'était pas blessé, ça serait un marquant. Un peu de poire, Julie. C'est fini? Je retourne à Chicoutimi? C'est ça? Décourage-toi pas. Tu l'as, ta place sur le national. C'est rien qu'une question de temps. Décourage-toi pas. Facile à dire. Maudit! Je m'en sortirai donc jamais! Tu voulais nous voir? Ouais. J'ai
pris une décision. Tu vas annuler les procédures de divorce. Là, tu parles. Nicole. C'est fini. Toi? Lambert doit avoir reçu ma lettre à l'heure qu'il est. OK. Marc? Contre? On va aller ça plus tard. Comment ça va, Pierre? Le docteur a dit que l'opération s'est bien passée. Puis, comment ça va, notre petite vedette? Il vient de se réveiller. C'est quoi le résultat? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu le dossier. Je t'apporte une lettre urgente, ça vient de Maître Luc Sigouin. Pas négocier un bon contrat. Tu iras voir par Lucine. Peux-tu, s'il te plaît? Papa va être furieux. Comment ça? Eh bien, son tricolore adoré va devoir affronter le National et Pierre Lambert d'ici un mois. Je vais être prêt à jouer dans un mois? Ben, tout au plus. Les ligaments sont un peu étirés, mais il n'y a pas de déchirure. L'hémorragie était causée par le choc de la rotule contre l'enveloppe interne. Enfin, repos, physio, travail et hop, sur la glace. Oh! Eh oui, sacrément, je suis soulagé! Ouais, amène-les la gang de Montréal, Boston, n'importe qui. Attention, pas trop vite, hein. N'oublie pas que j'aurai intérêt à te garder à l'hôpital le plus longtemps que possible. Oh, Lucie. Je savais pas que ça te touchait autant. Mais soulage-toi, tu vas pouvoir venir me voir jouer. Hein? Quoi? Tu as l'intention de faire de moi une fan du National? Non, mais... Je crois que c'est ta petite amie qui revient. Bon, ben, je vous laisse. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Pierre. Ton genou, ça va? 3 semaines. Toi? Je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Sigouin, il me laisse tomber. Toi? Je vais retourner chez Koutimi. Denis. Tu sais, quand je t'ai frappé au camp d'entraînement, je savais que tu étais déjà blessé. Je l'ai regretté, mais le coup était fait. Je l'ai toujours regretté. Oublie ça. Je t'en ai voulu longtemps, mais... je me suis aperçu que j'étais pas assez dur pour faire le club. Faut pas avoir de cœur pour faire ce job-là. Pour Suzy, j'imagine, t'es au courant. Je suis content que t'aies rien de grave. Enfin, au moyen qu'il réussit.
pour moi, ça va toujours mal. Maudit Lambert. Vous allez m'avoir fait mal, vous autres. Décourage-toi pas, mon frère. Ensemble, on a toujours gagné. Ensemble, on recommence. À partir de maintenant.